Bonjour à tous. Pour faire ce bracelet, vous aurez besoin de coton, coton fun de chez Grundle qui se trouve dans la boutique Speranza, un crochet numéro 2, une paire de ciseaux, un petit bouton en bois, une aiguille à laine et quelques perles en bois, des petites perles en bois de 6 mm. Tous les liens seront en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, on met l'aiguille sur le fil et on va enfiler des perles, une quinzaine de perles, tout dépend de la grandeur de votre poignet. Mettez-en un peu plus, une quinzaine, même s'il en reste, c'est pas grave, on les enlève à la fin. Donc j'enfile les perles, vous voyez, pour ce bracelet, il m'a fallu 2, 4, 6, 8, 10 perles. 10 perles, j'ai un petit poignet, mais si vous avez un poignet un peu plus grand, au moins vous êtes tranquille. Vous voyez? Là, 10 perles. Avec le bracelet blanc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11. Vous voyez, il est un peu plus petit celui-ci, un peu plus fin. Donc, mettez une quinzaine de perles, ou un peu plus si vous avez un gros poignet. Mettez un peu plus, il vaut mieux enfiler un peu plus de perles que pas d'assez. Après, on ne peut plus les rajouter. Donc, j'enfile une quinzaine de perles. Voilà, j'ai enfilé une quinzaine de perles. On enlève l'aiguille et on va pouvoir commencer à crocheter. Voilà, j'ai mes perles sur mon fil. Donc, je prends le fil. Je vais faire une chaînette qui entourera le bouton pour faire le fermoir. Donc je fais une chaînette, tout dépend le bouton que vous avez. Donc vous faites une chaînette, je fais 8, je pense que c'est un peu petit, 9, 10, je le plie en deux, je tiens et j'essaye de passer le bouton. Mais voilà, ça va très bien. Donc une fois que vous avez la longueur qui fait le tour du bouton, vous revenez dans la première maille et vous faites une maille coulée. Voilà, on ajuste bien comme ceci. Donc maintenant, on va commencer le point du bracelet. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute la première maille. Dans la sixième, on pique, on tire une boucle. À côté, on pique, on tire une boucle. 2. 3, 4, 5 et 6. On fait une septième boucle en piquant dans une maille du fermoir. On pique et on ressort une septième boucle. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur le crochet. La première que l'on avait et les 7 que l'on vient de faire. On fait un jeté et on passe à travers toutes les mailles. Vous tirez comme ça, tranquillement. Vous tirez même pas le crochet, vous poussez le travail et ça passe tout seul. Pas difficile, ce sont juste des boucles. Ça passe facilement, ne vous inquiétez pas. On approche une perle et je fais une maille en l'air que j'ajuste bien pour serrer un peu. Après, ça se détend tout seul, hein, donc vous inquiétez pas non plus. Je tourne le travail. Je vais monter 7 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pas dans la première, mais dans la deuxième maille, je sors un fil, une boucle, 2, dans la suivante, 3, dans la suivante, 4, 5 et 6 mailles. Je pique une dernière fois dans la maille qui finissait la petite coquille pour faire la septième boucle. Donc on a 8 mailles sur le crochet, 7 boucles que l'on vient de faire plus celles qu'on avait sur le crochet,
un jeté et on passe. Vous voyez, je tire le travail, ça passe tout seul. On passe à travers les boucles. J'approche une perle, comme ceci, et je fais une maille en l'air pour fixer la perle. Je serre bien. Vous voyez, après ça se détend tout seul. Je serre bien la perle, je tourne le travail, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique une boucle, deux boucles, je pique trois boucles, je pique quatre boucles, je pique cinq boucles, je pique six boucles. La septième, là, dans la dernière maille de la coquille, septième boucle, je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. J'approche une perle. Et je fais une maille en l'air pour fixer le tout. Et j'ajuste bien. Je tourne le travail et je recommence. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe une maille dans la suivante. Une boucle dans la suivante. 2 dans la suivante. 3 dans la suivante. 4 dans la suivante, 5, et dans la suivante, 6. La septième, dans la dernière maille de la coquille que l'on avait faite juste avant. Un jeté, je passe à travers toutes les mailles, j'approche une perle, et je fixe avec une maille en l'air, et je la serre bien. Voilà, on tourne et on recommence cette séquence pour avoir tout le tour du poignet. Je vous retrouve lorsque j'ai le tour de mon poignet. Voilà, j'ai la bonne longueur pour mon poignet. Je mesure et je vois que ça arrive juste où le bouton devrait être cousu. Donc je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà, comme ceci. Je vais rentrer les fils. Et on se retrouve. Donc, je fais une aiguillée avec le même fil. Je vais placer mon bouton. Si vous laissez un grand morceau à la fin, moi, j'ai été trop court, donc je vais rentrer le fil, j'ai caché le fil. Sinon, vous laissez un bon morceau, vous pouvez coudre avec celui-là. Donc, une aiguillée et vous allez coudre le bouton. Donc je passe déjà plusieurs fois au départ pour bien fixer le fil. Voilà, et je couds le bouton au bout du bracelet. Ça suffit, c'est juste pour fermer le bracelet, donc ça n'a pas beaucoup tiré dessus. Voilà, je vais faire des allers-retours à l'arrière, couper le fil et je vous retrouve. Voilà notre bracelet de terminé. On met le bouton comme ceci sur le dessus et on vient fermer. Voilà notre bracelet bohème vague de terminé. Le même en blanc. On peut faire toutes les couleurs. On a sorti les perles ou carrément on met d'autres couleurs. À vous de voir. Je trouve vraiment très joli et très facile à faire. Si mon tuto vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez bien sûr partager vos photos et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir
que vous réalisez mes tutos sur ma page Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos. Ou sur Instagram, comme vous voulez. Vous avez aussi ma boutique en ligne. Tout est sous la vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée. Ciao, ciao.